Voici le fameux personnage très spécial des développeurs. Voici, alors c'est quand même sympa d'avoir une Bulma DB comme hier je vous l'avais dit. Je vous dis pour moi c'était Bulma DB, c'est pas GT, c'est DB, DB. Et ça n'aura rien à voir avec la partie 2. Voici le personnage très spécial. On s'attendait vraiment à mieux. Ils ont un peu climatisé tout ça ce matin. Donc on est parti jouer Bulma bleu, free to play, Bulma enfant qui est évidemment DB. Qui est un up, mine de rien, Kid Goku. Sans rigoler, en vrai. Alors, elle a quand même des vraies bonnes stats. Elle a une énorme valeur d'attaque blast. Donc, je pense qu'elle va pouvoir tabasser. Vous allez voir, ça va être plutôt, elle va plutôt fonctionner comme un DPS blast et aussi un support blast. Donc, évidemment, ça fait plaisir d'avoir un petit support pour Kid Goku. On va pas se mentir. CapZ, DB exclusif aux événements et Son Goku. L'aspect, les gars, elle fait piocher une blast. Et après, le perso va beaucoup fonctionner en fonction du nombre de blasts que vous mettez. Si vous avez mis plus de 3 blasts... Non, si vous avez utilisé plus de 3 blasts dans la game, donc c'est quand même hyper facile. Vous avez 50% de récupération de TP et un malus de dégâts blast. C'est pas mal sur l'aspect, honnêtement, franchement. Sachant que c'est les effets de séance actives à l'activation. Enfin, c'est à l'activation. C'est pas lorsque vous touchez l'adversaire. Vous avez de la récupération TP quand même. La carte verte, 50 de ki, 10% de dégâts blast, ok. 50% de blast sur le prochain art. Donc la blast que vous piochez va être améliorée. Et en plus de ça, en fonction du nombre de cartes blast que vous avez utilisées. Si vous utilisez 3 blasts ou plus, vous avez 20% de dégâts blast supplémentaires. 5 blasts, vous en avez utilisé 5 dans la game, vous avez anti-cover. Et si vous utilisez 10 blasts, vous avez vitesse de pioche. A savoir que ces 3 effets se cumulent. Si vous êtes à 10, vous piochez, vous avez tous les effets aussi avant. Donc au bout de 10 blasts dans la game, vous avez vitesse de pioche. Anti-cover en 10 secondes, c'est quand même super énervé. On a aussi du coup de la récupération de TP. Ça commence plutôt bien. Le main, on a du soin, de l'anti-cover et on pioche une blast et une verte. Donc pour se lancer justement, vous avez compris, c'est un perso qui va vouloir se lancer. En fait, c'est un perso qui va mettre des blasts, qui va piocher des blasts et qui va être là pour, voilà, blast et réduire le temps d'attente des alliés. Au personnage Goku ou DB allié, on va donner du soin, 30% de dégâts et 52 de récupération de TP, donc de ki, pardon. Donc c'est un perso qui va être support pour les DB et les Goku. On va la jouer en DB. Si elle meurt, en plus ça, elle offre un boost au perso DB, donc elle est vraiment faite pour être jouée avec Kid Goku, c'est fou. Et à chaque fois qu'on utilise une strike, la première fois on va repiocher une blast et en plus de ça, derrière, on va augmenter les dégâts d'énergie jusqu'à 5 fois, donc ça fait 100% de dégâts blast uniquement. Donc en strike, ça va être une pive le perso. Par contre, je pense qu'elle va pouvoir être intéressante en blast. Le perso en plus, c'est une spé blast normalement, donc ça devrait plutôt être pas mal. Je rappelle, c'est une blast, c'est les blasts cailloux, les gars. Elle lance des cailloux, elle a évidemment pas une attaque blast comme les autres persos. Elle a pas de ki en soi, cette Bulma. Lorsqu'une attaque d'art d'énergie touche l'adversaire, vous lui scellez une carte, vous lui mettez un malus, vous lui annulez les bonus d'état. Ça, c'est intéressant pour potentiellement les persos rouges qui nullifient. Ça permet de taper face aux persos rouges qui nullifient, notamment par exemple un Gohan Beast ou un Vegito Blue qui a la nullif. Vous lui mettez une blast et le perso perd sa nullif. Ça, c'est super intéressant pour aller tout droit et aller scale un peu les dégâts. Et si l'adversaire effectue une mise à cover face à votre Bulma, vous piochez une carte. Vous piochez une blast, pardon, et 50 de ki. Honnêtement, c'est pas mal. Un bonus à la mort, un support, de la vitesse du pioche plus 1, voire même plus 2. Anti-cover assez facile à obtenir. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Évidemment, les gars, je vais me régaler et on va aller la jouer en DB. On va aller la jouer en DB. En plus de ça, elle aura la CapZ Zenkai de cette Bulma bleue. Donc honnêtement, franchement, et sur le papier, c'est quand même super correct. Bon, je pense qu'on pourrait potentiellement pas mal rigoler, moi, avec cette Bulma. On va la jouer avec Kid Goku, ça c'est certain. Et derrière, je pense que ça peut être aussi intéressant de jouer soit le Goku vert, soit le Muten. Parce qu'il n'y a pas de rouge en face de nous. Je crois qu'on va jouer Muten. Franchement, j'en attendais quand même mieux de ce perso free-to-play. Alors c'est bien que ce soit une Bulma, mais les gars, elle a des animes recyclés. Vraiment, ils me déçoivent quand ils font ça, des belles légendes, je vous jure. Mais bon, bref, vous savez, vous connaissez, mais c'est vraiment pénible, quoi. Ok. Bien joué, on a essayé de lui mettre une pression. Je pense qu'on va pouvoir taper fort quand même. On va cover. On va cover ici avec Kid Goku. Parce que je pense que voilà, il vaut mieux faire ça. Le main ultime ne me tuera pas. Plutôt que faire une bêtise. Putain, des bébés qui sont quand même sérieux. Hein. Bon, il y a un moment où tu pourras peut-être pas tout contrer, mon ami en face. Voilà. Ok. Il a pris pas la bonne cover pour lui, donc ça c'est bien pour nous. On va quand même switcher sur Kid Goku ici. Hein.
Voilà, pour mettre l'aspect, réduire le temps d'attente des alliés. Ah, ça c'est vraiment dommage. Ok. Là on va pouvoir blast. On a mis quand même pas mal de blast, donc je pense qu'on va avoir les augmentations. On part sur Kigoku qui a une carte à l'entrée en scène. Mais inutile le kill. C'est parfait. Kid Goku il est vraiment trop incroyable. Ah, je suis trop content de jouer Kid Goku avec un boost en vrai. C'est trop stylé ça. Bon, tous les persos de sa team les gars peuvent revenir. Donc attention à Végéto. Derrière nous on a Muten. Et la vérité est que la jauge de son Migaté, bah... Vraiment j'ai pas fait exprès de faire ça. Ok, il va chercher que sa jauge H24, ça va être pénible les gars. Putain. Oh, en face il fait aucun effort hein. À part la jauge en face... T'es mort. Oh, bien joué ça. On va mettre Kid Goku. Donc bien Kid Goku dans la team. Je crois que c'est Hachan, si je dis pas de bêtises, qui a un bonus à la mort, donc il faudrait pas se tromper. J'ai hâte de voir des dégâts sur Végéto là, en vrai. Parce que là, elle est quand même 12 étoiles, les gars, dans ma team. Il y a quand même les items DB qui sont là. Ça, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est taper avec Bulma qui va avoir une blast, piocher une blast, avoir une verte qui pioche une blast. Et avec la vitesse de pioche plus 2. Ouais, par contre, c'est abusé. Ah, c'est pas possible! Oh, waouh. On va bien réussir à l'attraper son Végéto. Putain, c'est ouf comment il y a des mecs, comment ils... Et c'est GGAE, hein. Mais ils se mettent à serrer le jeu quand la game avance, c'est une folie. Je joue pas du tout comme ça. Le mec, ça devient gamer pro FR. Ok, GG, ça devient Gotaga en face. Il s'est transformé en Gotaga. Ça y est. Allez, on y va. Vitesse du pioche plus 2. Oh là, on a gagné. Et ouais, vitesse de pioche plus 2, on a des blasts. On va faire que de la mitraille. Donc ça, c'est cool en vrai. Bon, ce trieur-là, on le connaît. Il a les items optimisés et j'ai décidé de partir avec ma junior. C'était surtout pour avoir un rouge, pour pas trop être embêté par Migaté parce que bah l'optimisation, elle est là. Famille Goku en face. Je l'ai joué, je sais à quel point Migaté peut taper fort. Très important d'avoir un rouge. Attends, attention quand même. Voilà, fais attention à ça. Ouais, ça c'est bien joué parce que là en face il y a une cover blast et là on va la prendre. Heureusement, un petit cover c'est pas tout de suite. Ouh! Pas mal les dégâts en vrai. On va mettre ma junior ici, Mina, parce que défensivement, c'est pas mal. Permet de réduire le temps d'attente des alliés. Et ça, je m'en doutais de cette erreur, si vous voulez mon avis. Ok. Ça va mettre Gohan, c'est normal. Nous on peut mettre Kid Goku. On a que des blasts, donc Kid Goku on va l'arracher. Kid Goku Gohan, pardon. Après j'ai perso 14 aussi. Hein.
J'ai le perso 14, mais vous savez à quel point il tabasse très très fort. Il y a un monde où il me contre quand même. Donc là, on aura vu quelque chose de sympa. Hein. Vraiment, encore une fois, même face à Gohan, tu mets des blasts, tu suites sur Kid Goku et tu détruis. Ça va être la gimmick en fait hein, de ce perso. Elle est vraiment faite pour up Kid Goku, manque plus qu'un item et j'aurais été l'homme le plus heureux de l'histoire du jeu. Vous connaissez mon amour pour ce perso, évidemment. Après, ça peut être le moment de perdre Bulma ici. Hein. Faut pas être naïf. Hein. Encore une fois, bah, il peut rien faire. Hein. Là, il va mourir. Hein. Et ouais, bah voilà. Bah voilà. Et oui. Et derrière, Kigoku qui va finir le travail. Ça, les gars, je pense que ce truc-là, on va le voir, mais on peut le voir des dizaines de fois, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Il y a 3 millions d'HP, Kigoku. Hein. Ah mince, j'ai strike ici. J'ai strike l'erreur. Pas très grave, en vrai. C'est pas la fin du monde. Bulma, elle va le faire toute seule. Tranquille. Au final, Gohan, il nous a pas du tout embêté. Hein. Oh, c'est fini, là. Franchement, c'est super carré. On est face au jus de fruits. On est face au jus de fruits. Par contre, moi, je me vois clairement pas actuellement DB jouer Bulma sans Kid Goku. Ah ouais, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Parce que si vous jouez sans Kid Goku, ça veut dire que... Oh, il faut qu'on reprenne ma junior ici. Ça veut dire que vous aurez pas de violet pour gérer Gohan. Donc, dans tous les cas, vous allez être embêté. Ok. Bon, y a pas de Gohan, les gars. Comme ça, on verra sans Gohan, d'ailleurs. Anti-destruction de cartes, les gars. Par contre, j'ai... Non, je suis censé piocher une strike, là. Je suis censé piocher une blast s'il y a un switch. Ah, il y a un bug, là. Il y a un petit bug, les gars, sur le jeu, là. Speed distance. Je crois qu'il est 10 étoiles, Migaté. Hein. Ok, on a mis pas mal de blast, donc on va pouvoir... On va faire ça, on a une blast, il va switcher, des trucs, même pas. Est-ce que je lui ai mis? Oh non, ce que je lui ai mis avec Bulma, c'est légendaire, là. Ah ouais, non, c'est trop grave ce qu'il a pris. Elle tape trop trop fort. Ok, bon, alors c'est reparti. Là, cette fois-ci, j'ai pris Muten. Vu que j'avais pris ma junior pour essayer de gérer Migaté. Bon, faut pas après se mentir que Famille Goku, c'est pas le match-up de foot. Je préfère affronter, genre, même, je pense, Fusion. Ouais, potentiellement. Enfin, faut voir. S'il fait ça, c'est qu'il a une verte. Voilà, c'était sûr. Moi, je suis pas bête, hein. Les gens, ils pensent que je suis bête. Fait super mal. Alors on n'a pas l'anti-cover encore. Waouh. Non, s'il switch, il me donne une blast. Hein. Ok. Il a préféré mourir. Carrément, il a peur. Je comprends pas. C'est que sur une cover, peut-être alors. Je croyais que c'était quand l'adversaire effectue un remplacement. Mais ah, mais ça compte pas comme un switch, c'est vrai, en effet. En effet. Ça doit être ça, je pense. Ok. Bon, en tout cas, là, on est bien content d'avoir. D'avoir Kid Goku de notre côté. Ah non, vraiment, c'est vraiment pas mal, hein.
que là, regarde, du coup, on fait ça en fait. Mais ce que je suis en train. Ça fait 50 fois que je le fais, j'ai l'impression. C'est tout le temps la même chose. Il switch, je mets Kidoku, Menuti, t'es mort. Je push une blast, Kidoku, Menuti et ciao. Ça, c'est. C'est vraiment la gimmick du perso. Et ça, c'est vrai que quand tu. C'est pour ça que l'analyse des kits, c'est bien sympa. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer in-game. Parce qu'in-game, tu te rends compte de plus de choses. Beaucoup plus de choses. Et on va aller s'imposer tranquillement, en vrai. Mais genre, quand je dis tranquillement, c'est que. C'est un vrai up à la team DB, hein. C'est pas une blague. On est tombé face à famille de Goku. Bon, il y a Gohan en face, attention les gars, Gohan, on va voir que ça, c'est normal. Attention par contre, si on commence à l'attraper, alors il y a une cover blast pour Beast Rouge et une double cover pour Beast Bleu donc. Pas n'importe qui quand même. Regardez, la strike, franchement, il met des blasts qui doivent coûter incroyable, hein, franchement, avec le support. Hein. Il est incroyable le perso. Trop fort. On va essayer de le brain un peu. Je pensais qu'il aurait fait le petit pas de côté qu'il fallait. Ah non, par contre, ok. Super ça. Ah j'aurais kiffé là. J'aurais kiffé là. Et là, on a gagné. Parce que regardez, encore une fois, on se retrouve. Soit il laisse mourir, soit il switch et j'ai gagné. Là, j'ai gagné. Encore une fois, on va le voir tout le temps, ça. C'est trop fort. Comme mécanique, c'est trop fort. La pioche de blast qui permet en fait de prendre le kill sur tous les Gohan SCJ2 grâce à Kid Goku. Il manque juste. Encore, après elle réduit quand même le temps attente en vrai. Donc j'allais dire manque un peu une réduction encore supplémentaire mais peut-être pas quand même. Ça va bien voir face à la Beast Rouge là. En vous rappelant qu'on peut dispel. Perso, je crois qu'il a mal joué. Ouais. Regardez, on va lui dispel sa Nullif là, je crois. Elle est vraiment forte. Bon, pour le coup, c'est un perso gratuit qui, de par lui-même, est pas stratosphérique, mais il bénéficie d'excellents items. Et si vous voulez jouer DB, elle est titulaire. Mais genre, il n'y a pas de débat, elle est titulaire. Je pense pas qu'elle soit meilleure que Kid Goku, mais par contre, elle est top 2. Je vois pas trop qui serait meilleur. Peut-être Goku vert, en vrai, très étoilé, mais... Non, je l'ai pas très étoilé, je suis pas le mieux renseigné. Est-ce que le pas de côté est venu ou pas? Encore une fois, on lui met une drill phénoménale. Bien joué. Ici, on a la chance de pouvoir faire ça. Là, on va mettre ma junior. On réduit le temps d'attente. Parfait, ça. Super fort. Oh, j'ai loupé mon... J'ai mal joué, là. Ma faute. Voilà, ce qu'on veut, c'est mettre le... On a mis le Gohan. Maintenant, quand on va revenir avec Kidoku, bah... Il est sous pression. Main ulti fond de map. Alors que j'ai la TP avec Gohan qui a pas d'aller KO. Fallait-il le voir venir? Alors, tu sais qu'on a de l'anti-destruction de cartes, donc voilà. Là, il fallait se dépêcher. Encore une fois. Tu fais l'erreur. Et on va les punir. Normal. T'es mort. Gohan est trop facile à gérer. La vérité, Gohan est trop facile à gérer. Ce qu'il faut pas, c'est le laisser dernier en vie. Mais dans ce moment-là, y a pas de raison en fait. Hein. Parce que les gars, 90% des gens, ils vont faire l'erreur en fait. Cette erreur, ils vont le coûter très cher. En face, c'est une cover blast.
Parfait. On a l'anti-cover. Oh mais elle fait trop mal. J'aimerais bien taper Gogeta là pour voir un peu. Ah bien joué parce qu'il passe à travers en fait les gars. Gogeta. Avec le lock. Ça va peut-être faire la diff. Rising Rush, c'est une bonne chose pour moi. Parfait. Attention, Gogeta, il est énervé là. Gogeta est un peu énervé. Mais je pense qu'on a gagné parce que Kid Goku à ce moment-là, il réduit de 10 le temps d'attente des alliés. Donc suffit qu'on attrape, on met Bulma, on a gagné. On met Junior, on a gagné. Tranquille, je crois que le main doit pas être dispo en vrai. Réduit de 10 le temps d'attente des alliés. On pourrait même laisser Kid Goku. Je pense qu'il terminerait tout seul avec la DB. J'ai l'impression qu'on fait exactement les mêmes games. Ça veut dire que c'est fort. Quand tu fais une fois, ça va. Mais quand tu fais toutes les games, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. On tient quelque chose. Là, c'est le test parfait. Regardez l'optimisation en face. Gohan 10, Bis 14, Pan 11. Évidemment, Revive 14, Trunks 13, Bra Vegeta 14. Là, faut pas qu'on vienne me dire c'est pas optimisé. Là, ça va être un sacré test, hein, vraiment. Bon, allez. Gohan est en face de nous. T'aurais pu ne pas être le cas aussi, faut le rappeler. Ok, on y va là-dessus. Parfait. Ça, ça me va. Sur Kid Goku, c'est ce qu'il faut faire. Ok, il a adapté son gameplay. Mais Kid Goku, on génère une main entière. Main ultime. Ah, il peut remettre Pan. Ça, c'était pas prévu au programme quand même. Putain, mais comme elle a déchiré sa team, sérieux? Elle est trop forte. Ah, pour moi, c'est vraiment la game dominante là. C'est vraiment la game qui fait dire que là, vraiment, c'est. Ah ouais, c'est pas des blagues. Hein. On va pas switch, sinon il met Gohan et il va nous tuer. Donc on va laisser, et une fois qu'il se paye, on met Ma Junior. On se demande quand ça va s'arrêter d'ailleurs. Alors dans l'idée, c'est quand même censé s'arrêter un moment. Hein. Allô? Pour moi, ça break ça. Ok, ça rigole plus en face là. Ok, on va la mettre ici. Qu'est-ce qu'elle fait mal? Je pense, qu'est-ce qu'elle fait mal? Ah, franchement, c'est une belle démonstration. Ça, c'est la game que je cherchais, les gars, tout à l'heure. Bon. On va se faire ruiner la game! Bon, bah, c'est pas grave. Là, vraiment, ça. Ouais, regardez le son et tout. Ah, c'est terrible. Terrifiant. Oh non, c'est moche de se faire ruiner la game. Franchement, ah, je vous jure, j'ai le seum. Kid Goku tout seul et. Enfin, qui fera pas, mais vas-y, quoi. Enfin...
J'aurais aimé une petite game égal à égal, quoi. Par contre, qu'est-ce qu'il est trop fort. Mais comment il est trop fort, Kid Goku, dans la team, c'est incroyable. Ok, on essaye de faire durer un peu ça. Beau clash. Est-ce qu'on est en mesure de rester en vie derrière? Il a la TP, on n'a pas de verte. Ah, il nous aurait vraiment fallu une verte pour nullifier et soigner là. Dégâts 2 sp de ce perso. Bien joué. Très bien joué. Après, si le jeu est équitable, on est censé contrer. Hein. Si le jeu le veut. Évidemment. Ouais, c'est pas équitable. Clairement pas équitable parce que elle est censée être morte, les gars. Donc je suis censé avoir gagné la game normalement. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est le Rising qui a décidé de ça. Mais honnêtement, par contre, elle a fait un sacré taf. Hein, vraiment. Ben, il faut bien essayer en classique. En classique, t'as les caps Zenkai qui rentrent en jeu et tout. Et c'est là où je pense elle risque d'être un peu moins intéressante. On va partir avec le trio duo. On va jouer Bulma bleu parce qu'il n'y a pas de verre en face. Ok. Oh, rigolo le move là qui passe. Putain, les dégâts sérieux. Ah non, non, mais elle, vraiment, elle déconne pas quoi. C'est tout. Ouah, mais Kid Goku, comment il tape trop fort. Anti-destruction de cartes. On est trop bien là. On est trop bien. Cut de ki. Sauf qu'on s'en fout. Carte verte. Kid Goku qui pioche une carte à l'entrée en scène. On met Kid Goku. Et on prend le kill. Super facile. C'est facile finalement des Belligerents. J'ai fait ça pour générer des cartes, les gars, dans ma main. Ici, on va mettre Bulma bleu Zenkai. Réduire le ki. Essayer d'endiguer un peu son combo. Si possible, main ultime. Elle a un support, je rappelle. Donc. Ouais, non, franchement, c'est super carré. Hein. En fait, c'est que là, je sais, tu vois, typiquement, face à Gogeta, là. Il va mettre Gogeta, je pense, sans souci. Si je suis face à Gogeta, je sais que je le one combo. Avec Bulma. Il a KZ de Gotenks en face, hein, mais je. Je vois pas ce qu'il va faire face à. Face à Bulma à ce moment-là, en fait. Ouais, là, c'est mort, hein. On va voir, hein. Ah, c'est fini. Et au pire, et ce qui est trop bien, c'est qu'au pire. T'as une DB, tu pars sur Kid Goku, comme ça tu génères d'autres cartes. En fait, si t'as pas fini Kid, tu finiras dans tous les cas. Elle est incroyable, elle est incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je trouve cette Bulma phénoménale. C'est un excellentissime perso free-to-play. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être le meilleur perso gratuit du jeu. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Vous les gars, j'espère que vous avez kiffé les showcases très rapides. Faites-le moi savoir avec les pouces bleus et les abonnements, c'est important. Ciao.